Bonjour les amis, je me trouve avec la Yana, la Tahitienne des montagnes. La Tahitienne des montagnes, ça va. Regardez ça comme c'est beau. Nous sommes au pont des Tuves, à Montauroux. Je ne me rappelle plus de ça. Donc, petit endroit magnifique où j'avais envie de revenir depuis un bon moment. Oh, mais je me rappelle pas de ça, moi. Okay. Petite ruine. Tomb Raider. Voilà, du coup, alors on s'est paumé sur la route parce qu'en fait, quand tu mets le pont des Tuves sur le GPS, il te fait passer par la Siagne, Saint-Césaire. Et nous, on voulait pas passer par Saint-Césaire, mais par Montauroux. Voilà, regardez. Bon, évidemment, il y a du monde. Hein. Difficile d'arriver ici où il n'y a pas de monde. Magnifique. Magnifique endroit. Ça sent bon. Voilà, voilà. Il n'y a pas tant de monde que ça, ça va. toujours aussi beau ici. Se mettre dedans, mais je pense qu'elle va être très froide quand même. Ah, maintenant on arrive dans la forêt des perroquets. Je me trouve avec Lara Croft. Tu vois, il n'y a pas besoin de lampe. C'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là. Ah, il y en a une autre. Ouais. Ah ouais. Tu connais pas la grotte des deux Goules? Ah si, mais c'est pas ici. Si, c'est pas l'autre. Enfin, c'est sur le chemin d'ici. Hein. Ah ouais, non, mais... Non, bah, celle-là, je l'avais jamais vue. Non, là, ça s'arrête. Hein. Ah ouais. Non, celle-là, je l'avais jamais vue. Ah ouais. Ah, mais moi, c'est celle-là que je te parlais. C'est là que je te parlais. Elle se baigne. Mais tu vois qu'on peut les baigner. Je vais me baigner. Tu vas te baigner? Mais t'as raison, hein. Je sais pas, faut voir. Je pense qu'elle est quand même bien fraîche. Hein. T'as touché ou pas? Non. Même pas. Il a l'air de dire qu'il est bien fraîche. On va se poser manger, tiens regarde, là c'est beau là.
est bonne. Bon, on est quoi, 2 octobre ? Non, ça va. En fait, ça va. Il fait bien meilleur oui, dehors. 2 octobre, quand même. 2 octobre, les amis. Regardez, pont des tubes. Et ben voilà. Nous, on prolonge l'été, quoi. C'est beau, hein? Oui, j'adore. Il est passé, il a un passage. Hein. Voilà, une petite plage juste à côté, petite plage privée. Ah, franchement, t'es bien là. Hein. Et là, c'est pour aller au. Non, là tu vas vers. C'est la balade, le 4 km là. Ah oui, là tu vas jusqu'au pont, je sais plus quoi. Bravo. Bravo. Super joli. Alors, donc excusez-moi parce que là ça filme. Nickel Arpa, Christine, voilà, en pleine nature, va nous interpréter un morceau. Un morceau. Qu'est-ce que je vais vous faire? Une mazurka, allez. C'est traditionnel suédois, c'est. Alors non, pour le coup, elle est française. Ah, ok. Mais si vous voulez, j'ai un morceau finlandais, si vous voulez. Ah ben, allez-y. Bravo. Super beau. Donc ça, c'était le morceau finlandais. Le morceau finlandais, ouais. Finlandais. Ouais. Ah, c'est vraiment beau. Il y a combien de cordes sur cet instrument? Alors, il y a les quatre grosses cordes mélodiques, okay. Et il y a en dessous 12 cordes sympathiques.
Et qui en fait résonne avec les cordes mélodiques. C'est ce qui fait ce son un peu... D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de jouer cet instrument ? Eh bien, en fait, à la base, je chante et, et je joue un peu de mandoline. Et en fait, j'ai un répertoire plutôt traditionnel irlandais. Ouais, voilà. Génial. Et en fait, un jour, mon compagnon, qui donc, est musicien, m'a dit « Mais en fait, la musique de chez toi, de Scandinavie, ça donne quoi ?» Et là, je lui dis « Bah, en fait, j'en sais rien. » Et donc, on a été faire des recherches et en fait, j'ai découvert cet instrument tout à fait par hasard. Et je suis tombée amoureuse de cet instrument. Mm-hmm. Et en fait, il se trouvait qu'en fait, il y a un monsieur au-dessus de Nice, dans l'arrière-pays, qui en a un, qui me l'a prêté pour que j'essaye. Et, enfin voilà, ouais, c'était coup de foudre. Et voilà, et il se trouve aussi qu'il y a un luthier français qui est dans les Vosges, qui est en fait en fabrique. D'accord. Et donc, je suis montée rencontrer ce monsieur, et voilà. Et c'est né comme ça. Ouais, c'est vrai que là, ça, tout le système, ça a l'air assez... Ouais. C'est... Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est... là, vous avez un clavier en bois. Voilà, c'est un clavier, ouais, c'est ça. C'est, voilà, un clavier en bois à plusieurs rangées avec en fait, des touches, un peu comme sur un piano finalement. Et il y a des sautereaux qui sont ici. En fait, quand vous poussez les touches, ça vient bloquer les cordes et c'est ce qui fait le son en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et les cordes donc, qui sont en dessous, elles ne sont là que pour résonner en fait avec, avec les grosses cordes, quoi. Donc c'est le principe du violon avec... C'est un peu... en fait, c'est une vielle à archer, plutôt. Ouais, donc vielle, c'est un peu comme... c'est un croisement, finalement, entre un violon et une vielle. Une vielle, ouais. Et c'est un instrument qui remonte au Moyen-Âge et qui, bien sûr, a été amélioré quand même depuis. Il était beaucoup plus rudimentaire au départ. Et, ouais, et voilà, quoi. C'est super. En tout cas, ça a vraiment un son hyper, ouais, ça, hyper vraiment, joli. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On appelle ça un instrument cathédrale, en fait, parce que justement, ça, ouais, ça résonne. Ouais, 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 voilà. Ouais, c'est ça. Ça résonne dans toute la ouais, forêt. C'est ça. Et ça se marie bien avec d'autres instruments. Ils font des... Oui, ça se marie bien. Bah, en fait, vous pouvez jouer avec... vous pouvez jouer plein de répertoires différents, en fait, pas que du traditionnel. Il y a une nickel harpiste française qui s'appelle Eleonore Billy, qui, elle, joue de tout avec elle. Elle fait du jazz, elle fait plein de choses, en fait. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment jouer de plein de... Plein de c'est quoi, c'est accordé en quoi? C'est en... C'est l'accordé, c'est Do Sol Ré La. Ah, Do Sol, ouais. Do Sol Ré La, ouais. Mais en tout cas, c'est super joli.